de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Alors je suis content de vous voir ce matin pour nous parler effectivement d'un circuit. Ben, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a un peu marre de temps en temps de tous ceux qui roulent des mécaniques effectivement et qui dépassent de très loin les limitations de vitesse. Tout ça parce qu'ils ont entre les jambes une super moto et qui rendent la route très très dangereuse. Pour eux, spéciale dédicace évidemment. Encore ce matin, il y a un tout nouveau circuit sur lequel vous pouvez aller passer vos nerfs en fait. Et c'est au nord de Paris. C'est au nord de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soyez expérimenté ou pas, vous pouvez... rouler. Alors évidemment, il s'agit de sessions de pilotage, oui. De sessions de vitesse. Il ne s'agit pas de cours. Donc si vous ne savez pas utiliser une moto, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, d'abord, apprendre à utiliser une moto, après on ira. Et petit stabilisateur ? Oui, éventuellement. Alors si vous savez conduire une moto et que vous voulez vous mettre dans la peau d'un pilote, ouais. C'est possible, on a la solution, enfin c'est plutôt le circuit Carole dans le département de la Seine-Saint-Denis qui a la solution. Pour ceux qui connaissent le circuit, le roulage se fait sur le petit circuit parce qu'il y a un petit et un grand circuit, le grand circuit étant celui sur lequel les compétitions se déroulent. Le petit circuit, c'est le court-circuit. Le court-circuit, exactement, qui fait un kilomètre à peu près. Donc c'est parti. Je vous emmène. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue au circuit Carole. On va passer au briefing. On va voir 2-3 consignes de sécurité, voir les équipements et puis après, c'est parti. Vous me suivez ? Si les feux rouges sont allumés, c'est qu'il y a un pépin sur la piste. Donc ça peut être de l'huile, une chute ou quoi que ce soit. Peu importe, vous levez votre bras gauche et vous rentrez tranquillement au stand. Pareil, si vous décidez de sortir de la piste, signalez-vous bien en amont. Vous levez bien votre bras et vous signalez bien aux autres que vous êtes au ralenti, que vous comptez sortir du coup. Je n'ai jamais roulé sur circuit. Le fait d'être tout seul sur un circuit, sans monde autour sur la route, je pense que déjà ce sera pas mal. Et puis après, essayer d'avoir des sensations dans les virages et de prendre un peu de vitesse. Chez nous, on fait du sport moto. Donc, même si c'est du loisir, hein, on reste dans le sport, donc il n'y a pas besoin de permis de conduire. La seule notion qu'il faut, en fait, c'est savoir passer des vitesses, avoir quelques petites notions, on va dire, de conduite de moto. Mais sinon, nous pouvons tout fournir. Donc, de la location de la moto, ce sont des machines de cylindrée moyenne et qui permettent vraiment de prendre du plaisir assez rapidement, immédiatement. On fournit aussi la combinaison pour ceux qui ne l'ont pas, la dorsale, bien sûr, pour des questions de sécurité, les bottes, les gants. Et bientôt, on pourra aussi fournir des casques. Donc la personne peut venir vraiment les mains dans les poches ou venir avec tout son matériel. La sécurité pour nous, bien sûr, c'est le point numéro un. Donc nous, la règle ici au circuit Carole, c'est tout en cuir en fait, qui leur permet d'être bien protégés en cas de chute. On voit beaucoup de pneus sur le circuit qui sont des dispositifs de retenue, des bacs à gravier qui sont systématiquement RC pour vraiment que les motards puissent évoluer en toute sécurité. Il y a du médical aussi sur la piste, le personnel est formé aussi au secourisme. Le choix de moto de moyenne cylindrée, ça fait vraiment la part belle au pilotage, donc ils vont pouvoir vraiment travailler leur technique. Bah, cette cylindrée-là étant un peu inférieure à ce que j'ai l'habitude de conduire, ça me permet donc d'être plus à l'aise physiquement déjà parce que c'est un petit peu plus facile à emmener. Le pilotage n'est pas tout à fait pareil, donc ça me permet de travailler un peu plus les trajectoires, la vitesse d'entrée dans les virages, donc c'est très intéressant. On a choisi d'utiliser un circuit réduit, plus sinueux, qui permet de limiter les vitesses, donc de limiter les dangers et que chacun vraiment puisse se faire plaisir à son niveau. Alors la vitesse maximale, je pense qu'on peut avoisiner les 150 km/h peut-être pour les meilleurs, bien entendu. C'est vraiment hyper plaisant en fait, hein. On se fait pas peur. C'est assez naturel comme pilotage avec ces machines-là, donc c'est très sympathique. On se rapproche quand même du sport extrême. C'était vraiment sympa, moi qui ai l'habitude du tout-terrain. Là, le circuit, c'est vraiment différent. C'était très cool. Anne-Christine, ce ne sont pas des motos très très puissantes, mais ça suffit parce qu'avant de partir sur les routes des vacances, vous pouvez aller effectivement vous exercer en toute sécurité pour vous et pour les autres. Exactement, c'est des motos qui font un peu plus de 300 cm3, mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où on a réalisé le reportage, il y avait le reportage, ouais, il y avait le portable.
Il y avait un pilote qui court en championnat de France dans la catégorie 600 cm3 qui s'appelle Maximilien Beau. Et lui, il s'est amusé. Il dit que c'est intéressant parce que, en fait, tout est dans la technique de l'entrée en virage, la négociation du virage et la sortie. Et à un moment donné, il s'est tiré un peu la bourre avec un pilote était en 500 ou en 600. Ben, il était meilleur. Bon, c'est vrai qu'il est en championnat de France. Mais comme il n'y a pas de longue ligne droite, ben, ce n'est pas la puissance qui fait la différence. C'est vraiment la technique de pilotage. Donc, pour progresser, c'est très, très intéressant. Ce n'est pas pénalisant que ce ne soient pas des motos hyper puissantes. Eh ben, c'était une bonne nouvelle. Merci, Anne-Christine.